C'est en présence du ministre provincial en charge des Finances, Pierre Kabangoutsalambi, du directeur de cabinet du gouverneur de province, Claude Ndzeza Zingeti, ainsi que les cadres et agents de la DGAKC, qu'intervient cette cérémonie de remise-reprise entre Mme Hélène Kakadimanwana, directeur général adjoint de la DGAKC, et M. Félix Mavambouzola, chargé des missions récemment nommé par le chef de l'exécutif provincial du Congo central à Toumatoubouana. Et c'est après avoir pris acte de la démission du directeur général de cette régie financière provinciale, Blaise Kiangala Nentoulente. D'entrée de jeu, le ministre provincial en charge des finances explique à l'assistance les circonstances qui ont fait que l'autorité provinciale arrive à nommer un chargé des missions à la tête de la DGAKC Congo Central pour un mandat de 3 mois. Avant de présenter M. Félix Mavambouzola, dont les 3 missions lui confiées proviendront des termes de référence qui seront élaborés de concert avec le ministère provincial des Finances. Et en second lieu, Mme Kakadimanwana, assumant l'intérim du directeur général, procède à la lecture du procès verbal de la remise-reprise dans lequel elle fait l'état des lieux de l'entreprise au chargé des missions. À son tour, le chargé des missions Félix Mavambouzola remercie l'autorité provinciale pour la confiance placée en sa personne. Il appelle également tous les personnels de la DGAKC à travailler pour aider la province à avoir les moyens de sa politique. Tout a été dit et par son Excellence Monsieur le ministre des Finances et par la maman avec qui nous avons fait la remise et reprise et aussi à inviter tous ceux qui travaillent à la DGAKC de pouvoir mettre la main dans la pâte afin que nous puissions atteindre les objectifs nous demandés par la RG. L'occasion pour le ministre Pierre Kabangoutsalambi de fixer l'opinion quant au changement opéré à la tête de cette régie financière. Vous avez suivi tous les processus qui s'est déroulé à l'Assemblée provinciale avec la question orale avec débat qui a été adressé au DG de notre administration fiscale. L'interpellation a donné certaines recommandations. Le DG a pris la décision de démissionner et c'est normal que l'autorité provinciale puisse combler ces vides-là en attendant toute la restructuration. Et voilà aujourd'hui, sur instruction de l'autorité provinciale, nous sommes venus installer les chargés de mission. La DGAKC dispose des 3 ressorts, à savoir les ressorts centre, ouest et est, et c'est de Kasangoulou à Mwanda. Et la permission d'encadrer les recettes en faveur du gouvernement provincial du Congo central. Pour votre gouverne, M. Félix Mavambouzola, chargé des missions à la DGAKC, est un inspecteur de finances vertébré qui a eu déjà à travailler dans plusieurs commissions fiscales et financières, tant au pays qu'à la sous-région pour les comptes de la République démocratique du Congo.